bagitaye yawe fomola lola babeli bagikaye yawe fomola lola basali bagikaye. Que l'Éternel notre Dieu commence avec nous ce moment jusqu'à sa fin. May God begin this moment with us to the end. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Let's read the word of God. Dans Romains 12, verset 17 jusqu'au verset 21e. Romans 12, verse 17 to 21. Oui, comme d'habitude, nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. We shall stand to read the word of God. Nous mettons debout et je lis la parole de Dieu pour vous. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Romains 12, 17 à 21. Je suis au 18e verset. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Maintenant, prenez place, s'il vous plaît, bien-aimé. Et apparemment, notre Dieu pour sa parole. Your way of talking and acting. Peut-être de ton comportement devant les autres. Maybe of your behavior
here in front of others. Amen, amen. Amen. Mais la parole nous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. But the word of God tells us today, do not return evil for evil. In this studies, we're going to concentrate on being good to others. To be enjoyed with others. Même vos ennemis. Even your enemies. Amen. 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 Retournons au verset 17. Let's go back to verse 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recompense to no man evil for evil. Quand quelqu'un t'a fait du mal. When someone does you wrong. Just return good to place in the place of bad. Amen. 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 Que le bien surpasse le mal. May the good overflow the bad. Écoutez ce que la loi d'Italion dans l'Ancien Testament nous dit. This is the law from the Old Testament. L'œil pour l'œil, dent pour dent. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Amen. 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 Deux fois les gens utilisent cette loi. Sometimes people this law sans connaître sa valeur, without knowing its value et son importance, and its importance. Or que when cette loi avait pour but, this law was out d'être utilisé par des individus, to be used by individuals, ou bien dans des sociétés, where in organizations, ou bien dans des compagnies, or in companies, pour encourager la bonne conduite parmi les hommes, to encourage towards men. C'est pour cela, bien aimé, this law, la loi d'Italion, what we call it Italian law, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, a été utilisé, was used. Amen, amen. Amen. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui disent, a lot of people today say, si me fait du mal, je dois rendre le mal. If that person do me bad, I shall return bad. Oh,
of fire on the edge. That is the sixth day, amen. According to Egyptians, from the lips. If you make it for the driver, when you make a bad a fault. If those people applied this
qualifier. But God who has said eat anything unto me, what punishment will he give to you? Proverbs 25, verse 21 to 22. Amen, amen. Amen. C'est un peu plus la même chose que ce que nous avons dit tout à l'heure au verset 20, mais il nous dit ceci. Proverbe 25, verset 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. If that enemy be hungry, give them bread to eat. Si la soif, if he's thirsty, donne-lui de l'eau à boire. Give him water to drink. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta terre. For thou shalt eat coals of fire upon his head. Et l'Éternel te récompensera. And the Lord shall reward you. Ça n'a pas fait d'ailleurs. God shall reward you. Soit qu'il voit une d'ailleurs. If your enemy, you should never argue with my time. Don't
nighttime. Don't call each other names nighttime. Those people who walk in will take your things. Amen, amen. Our parents are right. The family that has problems. Those problems always start that time. Verse 9. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas avoir de mal pour le mal, bien aimé.
someone that has insulted you, you also have to insult them. Quelqu'un qui vous a injurié, il faut aussi les gérer. Or someone that has insulted you, you also have to insult them. Ne rendez pas le mal pour le mal. Do not return evil for evil. Mais au contraire, bénissez. But on the contrary, bless them. Pour que vous ayez hérité la bénédiction. For you to be rewarded with the blessings of God. Do not revenge. Laissez Dieu se battre pour vous. Let God battle for you. Quelqu'un qui aime son frère, mon frère, ma soeur. The person who loves their brother, my beloved. Quelqu'un qui aime sa soeur. The person who loves his sister, my beloved. Il ne peut pas lui faire de mal. They cannot aim for that. Il ne peut pas lui blesser. They cannot hurt them. Faites à autrui ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Do to others what you would like them to do to you. Soyez en paix avec tout le monde. Be at peace with everybody. Continuez même à venir, certes vous persécute. Carry on to bless all those people who do you bad. Ne vous vengez pas vous-même. Do not revenge. Ne rendez pas le mal pour le mal. Do not return evil for evil. Recherchez ce qui est bon devant tous les hommes. Au contraire, répondez. Look for what is good to every man and reply by blessings. Il ne faut pas nous laisser vaincre par le mal. Should not let yourself be won by bad. Mais continue à vaincre le mal pour le bien. But carry on winning bad from good. Il faut vaincre le mal par le bien. You should win the bad from good. Amen. 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 Jésus. Bien-aimé, ne lutte pas le mal pour le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Do not mimic bad with evil with evil, as the ones who practice good is of God, and those who do evil are not of God. Amen. 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 Bien-aimé, c'est dans 3 Jean verset 11. 3 Jean 11, il nous dit ceci. Bien-aimé, il ne faut pas imiter le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Il est enfant de Dieu. Celui qui pratique le bien est enfant de Dieu. Mais celui qui pratique le mal ou bien qui fait le mal n'a point vu Dieu. So basically says that who does good is of God, but who does evil has not seen God. Amen. 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 Ne rendez pas le mal pour le mal. Do not return evil for evil. Le mal, c'est Satan qui nous donne, qui vient toujours à nous pour nous inciter à faire du mal. The bad action is Satan that's coming in us to push us to do evil. Alors, faut chasser le mal de notre vie. So you have to cast away evil in our life. Try to be good. Faire de bien. Do good. Et puis chercher la paix avec tout le monde. Look for peace with everybody. Être une femme, un enfant modèle, un homme modèle. Be a woman, a man of example. Qui craint Dieu. That fears God. Qui aime le prochain. That loves the neighbor. Et qui met la parole de Dieu en pratique. And that also practices the word of God. Mettons en notre prière notre Dieu. Let us pray in His name. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Acclamons. Je l'oublie pas qui t'aille.